Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Channel Josam. Jeudi, nous comptons avec vous pour une nouvelle vidéo pour nous continuer à parler de stock market, investissement en général. Et, on va parler d'un sujet qui est vraiment, vraiment complexe là. Nous demandons en pile attention pendant 10 minutes pour m'expliquer ça très bien. Et comme un update, n'a profité de dire merci à tout le monde qui choisit pour venir apprendre l'analyse technique avec Josam Finance. Moi, voyez un survey ban nous pour nous répondre question, pour nous casser d'op de qui jour à qui l'heure n'a commencé l'autre semaine. Semaine ça, on a regardé dans investing.com avec un rapport économique. Donc, il y a plusieurs banques à bail rapport jeudi, dans mardi. Et dans lundi, il y a un rapport, donc ça pas trop important. Moi, je vais aller dans un jeu qui est important parce que quand on tenor, il va aller dans un rapport économique qui c'est Tesla. Hier, moi, j'ai eu une conversation avec un ami, nous avons parlé de qui trade nous pensait faire dans Tesla et pendant la semaine. Ça. Donc, il y avait son point côté et nous mentionnait que il n'est pas fin trop bon. Pour trade pendant earning parce que ou pas contre qui gens investisseurs yo va répondre avec et rapport ça yo bail on dit par exemple ça te gagne bail un rapport côté libit tout estimé li mais cependant projection en futur li pas vraiment et promettre en pile bagaille donc ça seulement ca permettre que investisseurs yo vendre stock là 10 à 20% Donc, pour cela, on doit prendre plus de précautions, le trade pendant earning. Donc, l'autre bagage qui gagne pendant earning, qui est important, et spécialement pour monde qui fait option, soit fait option, pas qu'on ait, et petite formation basique, ça, on a demandé au fond campé sur ça, on va faire, éduquer tout avant, parce que, nous pas t'arrêter, on prend un samedi, prend, pour n'a gaspiller l'argent, non. L'on trade pendant earning ou bien l'on place un trade dans plusieurs bagages ou deux qu'on est. Donc, on dit par exemple, ou pas qu'on est short, on a regardé dans tout option AI. Yes, I really, yon expected move. Donc, yon expected move, c'est côté yon prévoit que stock là qui arrive et pendant chaque semaine. Par exemple, on regarde là pour semaine 21, dans 5 prochains jours, yon prévoit que Tesla, l'ICA move entre 23 points en général. Donc, l'ICA arrive entre 300 et puis l'ICA descend tout à 262. Donc, ça est important. Par exemple, pour semaine 28 juillet, il y a un expected move de 8.3%. Donc, Tesla qui arrive dans 300 et puis l'ICA arrive dans 257. Mais l'ICA y a un bagage qui sous côté à soi avec moi qui relé IVI IVI n'est pas le bagage que nous relayons c'est un implied volatilité et volatilité que yo expect dans market expected move avec volatilité le marché côte à côte le fait que gain pile demande dans option ça crée un autre bagage on va aller dans et broker moi que on utiliser pour montrer nous ça Donc, on regarde avec moi, il dit en plein volatilité dans Tesla pour semaine 21, il est 74%. Et si vous regardez après, ensemble avec moi, où est en plein volatilité en 65%. On regarde plus bas, on a en septembre, nous avons en plein volatilité à 54%. Et ça veut dire pour les gens qui ont investi ou bien si vous avez acheté une option. Ça veut dire et selon implied volatilité c'est selon prix ça au charge donc d'ici jeudi tant que nous gagnons aller dans si broker pas ba ou option ça aller dans et tool AI option nous démontrer nous pour nous garder implied volatilité Tesla d'ici le 19 et Tesla a reporté donc le 19 dans matin garder implied volatilité Tesla n'a point l'équipote 100 combien pour cent ou bien il y a même 200 combien pour cent ça dépend de qui demande mon yo gain
Dans option, ça veut dire que le fait que implied volatilité a monté haut, moun ki créé market lan li même ça le fait, li monté prix premium yo. Donc qui ça nous est premium en aller en exemple ouais en premium, ça c'est premium yo. Bid and ask yo, ça c'est prix que market maker a mandé. Kou nya la, an di simple volatilité a 76 li 11 dollars par exemple, sou acheter en option dans Tesla la li a coûte 1000 combien dollars, pas vrai? Donc implied volatilité a fait au lieu on dit implied volatilité a monté 200%. Donc au lieu que market maker a mettel 11 dollars, li vinn mettel 13-14 dollars. Ou bien rien doit même arriver 20 dollars. Donc on dit par exemple ou choisi pendant Tesla pral bay rapport lan, ou dit que bon on pense Tesla a monté. Donc d'ici jeudi, il y a une volatilité dans Tesla, on doit avoir qu'importe 14 dollars. Donc ou dit m'a pas acheté et on call, on pense Tesla privé dans 300, m'acheter 292 call lan. Donc ça t'a de coûte 7 dollars lan, le fait que implied volatilité a monté, li ka vini dans 14 dollars. Kounya la, nan demain matin là yo fin bay rapport lan, market maker pas sous pressure encore. Ça le fait implied volatilité a descend. Donc ça veut dire premium yo a descend. Et ça qu'arrivé ou stock lan, par exemple Tesla gen doit arriver dans 300 combien dollars ou même ou poko fait cob. Ça pour qui ça ça arrivé? C'est parce que nan implied volatilité an, ou acheter premium nan avec un prix qui 200% plus cher que prix normal. Donc, qui gens ou doit combattre ça? Qui deux façons qu'à combattre ça? Premièrement, l'implied volatilité en haut ou pas doué dans moun kap achete yo. Et comme si on doté gon un business, pas vrai? Donc si bagay yo cher, ou ta renmé moun kap vann nan, ou pa ta renmé moun kap achete yo. Donc c'est ça qui fait nan option gen sa rele yon calendar call. On dit par exemple, ça c'est juste un exemple, c'est pas un trade que n'a. On dit par exemple nous penser que Tesla a arrivé à 300 dollars. Donc jeudi on voit implied volatilité qui c'est 5.15. On dit d'ici jeudi implied volatilité dans 300, les gain droit et 10 points combien dollars ou bien gain droit triple, gain droit 15 points combien et 15 points et 0.00 combien. Nous au lieu que nous acheter pour cela, nous avons choisi vendre. Donc, au lieu que m'acheter avec un implied volatilité qui high, parce que me dit market là trop chaud, prix trop haut, m'pas acheter. Donc, on a choisi vendre. On a choisi vendre et Tesla à 300. Kounya là, qui ça me fait? Donc, le fait que me choisi vendre, ça, moi, sell yon call. Lors sell yon call, yo mande trois bagages, deux bagages pour gagner, soit gagner ou gagner 100 chèr dans Tesla, soit pas gagner 100 chèr dans Tesla, ou a besoin et 30 combien mille dollars et balance dans account. Donc objectif moi c'est m'a besoin une là parce que moi même m'a prend un profit, m'a profiter de event aux enchères là gain là. Donc la semaine Tesla bail rapport là, semaine 21, me dit m'pas acheter, m'a vendre plutôt. Qui ça me va le faire encore donc m'a dans l'autre semaine qu'a privé OK qu'on a la malina et semaine 28 là par exemple si Tesla il dit implied volatilité à 100 combien donc dans semaine qu'après a implied volatilité à pi bas ça veut dire là moi qu'a acheter parce que moi va l'acheter à un prix pi bas donc moi choisi semaine 28 là donc moi était seul de vendre 300 dollars là kounya la nan semaine k'ap vini an m décidé acheter kounya parce que m konnen priyan pas cher donc ki sa ça permet moi c'est que moi et comme si m prend avantage le fait que priyan cher avec des jeune m collecter en pile premium et puis moi utiliser premium ça pour m'acheter pour l'autre semaine premium ça m utiliser pour me payer moitié même dans la l'autre semaine. Donc si ça monte d'ici ça arrive d'ici et on dit après
pour earning nan et Tesla ta monté dans zone 2.97 yo ça vinn fait moins fait yon pile profit donc c'est ça yo relé yon call calendar donc moins bullish nan call lan mais cependant ki ça m'a dit tout moi dit que on pa ta remet Tesla dépasser plus que 300 combien donc si Tesla arrive dans 300 donc m'a fait me vinn collecter en pile cob à cause et façon que moi aborder trade là donc moi besoin pour Tesla arriver entre limite ça yo s'il dépasser 312 yo donc les amnan chaud on va perdre un petit cob et s'il t'a dépassé descend plus bas de 270 qu'on y a m'a perdu et non premium dans tout donc on va montrer un exemple dans Robinhood pour nous carré schéma plus bien donc j'en ouais m'a fait même chose là dans Robinhood par exemple moi dis semaine 21 m'pa pas acheter parce que m'vle nan mitan moun k'ap vendre pour m'ka vendre plus cher pour m'ka collecter premium m'vend 300 et puis dans semaine k'ap vini hein dans 28 là m'a pas acheté call 300 tout donc Robinhood explique il très bien moi aimé schéma ça donc li ba ou limite que ou gagne par exemple si ou si d'ici l'expiration le 28 et Tesla t'a arrêté dans niveau 300 donc le ça et ou risqué en total 200 combien dollars li ba ou 900 combien dollars et même jantou si Tesla t'a descendu plus bas que 272 le ça a commencé à perdre l'argent et s'il t'a monté plus haut que 329 le ça a perdu l'argent votre objectif ou même pour jeune plus premium c'est à pour Tesla t'arriver dans zone 285 yo 300 yo pour t'arrêter tout près 300 pour pas arriver plus bas pour 300 pour manger plus viande pour jeune plus cob dans trade que faire qui l'autre bagaille au café on dit OK ou pas trop comprendre ça l'autre bagaille au café ou dit bon moi même pas veulent faire tout pas veulent faire comme ça l'autre bagaille au café c'est que dans 21 ou gain doit choisir faire des bagailles ou que penser Tesla a monté rivé dans 300 ou dit qu'on m'a acheté 297 call et puis m'a vendre 200 vendre 300 donc là ça c'est comme si ou acheter ou c'est vrai bot ou collecter un gros premium pour faire ça donc ça c'est ça le yon debit call spread donc et comme si ou acheter cher c'est vrai mais ou collecter un premium qui cher tout donc différence là vient pas rien donc qui ça fait on dit ou vendre 3 ou acheter 300 ou vendre et acheter 297 ou 2300 donc kounya là avec 63 dollars si Tesla t'arrive dans et zone 300 dollars donc laisse ça 63 dollars ça ba ou et 187 dollars donc limite qu'on ka faire hein, c'est 187 dollars et sous ta rien comprendre qui sont debit call spread nous parler de ça déjà dans channel là et puis troisième bagaille qu'on ka faire au lieu acheter call là sous gain pile cob au lieu acheter call là pour semaine ça ou acheter call là pour l'autre semaine donc laisse ça ou pas prendre dans market manipulation j'espère que cette vidéo ça a expliqué tout bagaille et sous gain question pas oublier poser moi penser vidéo ça li fait spécialement pour monde qui fait option donc j'espère que c'est vous quelque l'argent pour semaine ça et moi même si m'ta pensé Tesla monte ou bien descendre et moi t'a fait un call calendar et qui son ka fait encore pour pral ça c'est un bonus ba ou le fait que ou choisi garder vidéo jusqu'à la fin on dit par exemple ou al nan call calendar pas vrai donc ou pensé Tesla l'a monté rivé 310 on dit ou pensé Tesla rivé dans 310 rapport ou al ba la tellement bon et Tesla va craser et barrière. Donc on dit que on va vendre 310 pas bien d'où pas acheter parce que implay volatilité à haut. Donc pour l'autre semaine ça me fait le 28 mal acheter 310 là. Donc nous ouais par exemple si me risque 188 dollars, j'ai possibilité pour me faire en dit d'arriver dans zone 310, 188 dollars ça ca ban moins 1033 dollars. Non, on dit par exemple, ouais, pile premium, ça on dit, oh, non, m'pral fait cob,
m'a mis $1,000 là-dedans. On va acheter 10 contrats. Donc, $1,800 qui a presque baou $10,000. En général. Donc, pas oublier, $10,000 ça, on doit pas jouer, ou pas jouer tout $10,000 ça, parce que m'a pas oublier, seulement à trade earning. Nan. Donc, pas quitter le rivet dans la date d'expiration, parce que par contre, ça peut le passer après. Si demain matin, ou est-ce la rivet dans 305, 310, donc, on a $4,000, prends un corps ou pas arrêter, prends un premium, nan, parce que $1,000 bas ou, t'avais de vous faire des 1000, plus que 1100% non seul et trade. Prends un corps blanc, souvent, $4,000, prends un corps blanc, allez pas arrêter, market là pas brouillé. Donc, on dit par exemple, ou risquer $1,800. On dit, soit tu penses à l'effet contraire, Tesla descend bien bas. Tesla descend dans 272. Qu'on y a là, ou perdu $1,800. Pour cela, qui sont fait, au lieu d'acheter 10 contrats, ou acheter 8 contrats. Parce que si vous achetez 8 contrats, les rivets au $1,500, les rivets dans 305 $310, 1000 combien de $1,500, bon 7000 combien de dollars. Bon, qui sont fait avec reste l'argent, ça? Donc, sont fait, ou dit que, market la pas pour même pas contre qui j'en m'en pas le répondre, qu'on y a ou qu'à vendre yon put calendar tout. Put calendar, c'est même bagay, ou qu'on est, ou garder expected move et dans stop là. Nan même semaine, Tesla bay rapport là, ou pas acheter un put. On dit que, m'en pense Tesla, qu'à descendre dans zone 260 yo. Donc, qu'on y a nan même semaine ça, ou aller en bas pour si en cas, j'en pense Tesla va monter, elle va monter ou aller par en bas dans zone 260 ou vendre yon pout. L'on vend pout nan, le collecter $290 et premium. Kou yon sa fait ou aller dans semaine après hein, que implied volatilité a pa ou, ou aller dans zone 260 yon pour collecter et ou acheter et 260 call là. Et comme si ou yon risque $197 ça ba ou $750. Koun ya la pa bliye mte dou pa achete 10 contrats en l'air pou si stock la ale kite ou la ou vini ou achete 2 contrats. Donc nan $1,800 ou tap ba lan ou risque $1,500 seulement. Koun ya la ou pren $394 ou achete 2 et put calendar pour si la ale against. Donc si la ale against ou di Tesla ta arrive nan 260 koun ya la call ça a été fait là-bas ou $1,500 ça ça veut dire intelligent right? C'est vrai ou t'es défait $10,000 tout à l'heure bot ou fait en dit t'a aller j'ont vle là parce que t'es acheté 8 call en l'air la pour $400,000 ou pas perdu rien mais ou protéger tête ou avec 300 combien dollars that's what we call hedging. Donc ou pas protéger ou prend ou pas dépenser tout $1,800 ou prend $394 après en tout presque $400 ou protéger tête ou pour si Tesla pas ta monter le descendre donc au lieu ta vienne perdre $1,800 donc regardez combien on fait ou fait $1,500 à la fin on dit que au lieu de perdre ou te perdre $1,800 ou on est perdu seulement environ $300. Donc ça permet de retenir game là pour long terme parce que ou jouer intelligent. J'espère que tu comprends tout bagaille, leçon pour tirer dans ça nous parler hein. Pendant stock n'a bail rapport là ou pas acheter. Buy a call, buy a put ou pas faire ça pendant semaine là parce que market maker c'est moun qui fait market là, les mêmes n'pa veut perdre l'argent. Si tout monde gagne ouais option dans mon jeu de casino si tout monde dans le casino yo gagne business n'a pas crasé li même li pas d'accord pour perdre comme c'est ça qui fait li monter prix en dit bon si bien pour payer en pile monde m'obligé monter prix et donc pas oublier c'est avec monde qui plus intelligent n'a dit dans market là donc c'est ça qui fait yo même yo pas dans jeu de là yo pas dans game là pour yo perdre même donc espérer que ou utiliser conseil ça yo ou faire des investissements qui est vraiment intelligent et si vous êtes dans earning là good luck pour ce maintenant et m'espérer que ça penser mouvement penser qu'a fait dans Tesla il y aller dans façon bye bye à la prochaine.